Bonjour, bienvenue à Bizen TV sur le stand de Toby Technologies. Bonjour, je m'appelle Antoine Lu de la société Toby Technologies et je suis responsable donc du marché français, espagnol et belge donc sur la diffusion de cette technologie qui est le eye tracking. Donc on va vous présenter rapidement donc qui est Toby Technologies. C'est une société suédoise qui travaille dans le domaine du eye tracking, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer où est-ce qu'un consommateur est en train de regarder sur un écran, sur une publicité, dans un linéaire de supermarché par exemple. Donc ici j'ai un consommateur qui va suivre un certain nombre d'expériences et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ce que vous voyez là, ce sont les yeux du consommateur. Donc avant de faire le test, on a besoin de faire le calibrage de l'appareil. Et donc grâce à cette interface-là, mon consommateur va pouvoir, par exemple, contrôler tout ce qui se passe sur un écran uniquement avec son regard. S'il lit en bas du texte, vous voyez que le texte défile vers le haut. S'il lit vers le haut, le texte redéfile vers le bas. Si en revanche, il regarde tout droit devant lui, le texte s'arrête, ralentit et lui donne le temps de lire correctement son information. Maintenant, il peut également faire défiler les fenêtres uniquement avec son regard. S'il regarde par exemple sur la gauche, vous avez ici des ampoules et en fixant plus longuement sur les ampoules, eh bien, vous allumez par exemple un salon, une cuisine. Deuxième type d'application que l'on peut envisager, imaginez que vous êtes en train de faire la queue à un supermarché. C'est long, on vous propose 6 produits et au bout de quelques secondes, on est capable de vous dire que ce que vous avez apprécié, c'est peut-être une bière. D'accord ? Donc au niveau marketing, c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez cibler le message que vous souhaitez vis-à-vis de votre consommateur. Et sans avoir à lui demander. Imaginez maintenant que je suis un grand publicitaire et que, avant de dépenser quelques centaines de milliers d'euros, je souhaite savoir si mon consommateur a bien visualisé les informations sur cette publicité-là. Donc tous les points blancs que vous voyez apparaître à l'écran sont les endroits où son regard s'est posé. Et manifestement, on n'a pas du tout vu les deux marques et le produit qui sont sur cette publicité. Et une dernière application, ce sont les jeux vidéo. Donc par exemple, ici, le regard de Yannick en fait va détruire les astéroïdes. Il n'a plus besoin de ses mains pour donc appuyer sur un buzzer. Seul son regard suffit. Donc du coup, vous avez en fait des interactions qui sont extraordinaires à l'avenir sur les interfaces du futur. Donc on a vu que les différents types d'applications sont marché publicitaire, test de site internet, mais également tout ce qui est interactif avec les jeux vidéo dans le futur. Voilà, et regardez à droite, regardez le texte, si vous lisez en bas du texte, regardez ce qui se passe, il va redéfiler vers le haut. Si vous lisez en haut, il défile vers le bas. Regardez à droite, à gauche, à droite. Là maintenant, vous pouvez en plus démarrer de la musique. Donc si vous choisissez une musique en particulier, regardez ce qui vous intéresse. Ah, Katy Perry. Voilà, et là, Katy Perry démarre pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous regardez. Enfin, regardez une des photos, ouais, et regardez, ça apparaît au-dessus. Si vous regardez au-dessus, elle va zoomer pour vous. Voilà, enfin au-dessus, je veux dire sur la photo même. Et ensuite, vous allez pouvoir faire défiler. Ah non, c'est vous. Regardez les petits boutons là à gauche ou à droite. Aux personnes handicapées moteurs, aux paralysés, mais également à l'avenir en fait, pour tout un chacun. Imaginez que vous êtes dans votre salon et que bah, vos mains sont occupées à faire autre chose, à jouer avec un enfant par exemple. Et vous avez besoin d'aller contrôler une musique. Vous regardez, là il y a Eric Satie.
vous voulez écouter une telle musique, mais vos besoins humains sont occupés. Et là, dans ce cas-là, rien qu'en regardant la musique qui vous intéresse, elle va démarrer.